Crise des vocations, diversité du recrutement, valorisation de l'engagement. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a lancé une mission pour relancer le volontariat chez les pompiers. Le nombre d'engagés volontaires stagne, 194 000 sur les 247 000 sapeurs-pompiers. Quatre personnalités ont été désignées pour conduire cette réflexion et faire des propositions d'ici mars 2018. Parmi elles, Fabien Matras, le député de la 8e circonscription du Var, ancien pompier volontaire. Gérard Collomb m'a demandé de travailler sur un grand plan volontariat qui concernerait les sapeurs-pompiers volontaires. Ce que nous souhaitons faire, en fait, c'est nous attaquer réellement aux difficultés que connaissent aujourd'hui les sapeurs-pompiers volontaires, arriver à travailler à la fois sur la difficulté qu'on peut avoir à recruter les sapeurs-pompiers, le fait aussi d'arriver à les fidéliser, parce qu'aujourd'hui on a un vrai problème sur la fidélisation des sapeurs-pompiers, et puis des tas d'autres sujets qui peuvent concerner les volontariats. En fait, c'est arriver à vraiment recréer une dynamique au niveau du volontariat et mettre en valeur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. On va devoir faire des propositions. Le ministre nous a demandé de rendre un rapport pour cette année, donc il va falloir qu'on y travaille rapidement. Mais voilà, c'est un sujet qui est passionnant pour moi. En plus, je suis membre de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, donc c'est en lien avec le reste de mon mandat. Et voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté la mission du ministre.